Accompagner du Mauritania. Ouais. Et quand on amène quelqu'un au tournage de la poste, Ce mercredi, les rues menant au domicile d'Akaroua de la principale figure de l'opposition sénégalaise étaient barricadées. Ousmane Sonko ne pouvait donc pas quitter sa résidence depuis mardi soir et selon le porte-parole du parti dont il est le chef de file. Un important dispositif policier lui barrait la route à la veille de l'ouverture de son procès juridique. Le chef de l'opposition est poursuivi par le ministre sénégalais du tourisme, Alioune Sarr, pour diffamation, injure, faux et usage de faux. On lui reproche également d'avoir déclaré qu'il avait été épinglé par un rapport de l'inspection générale d'État pour sa gestion d'un fonds d'un programme agricole pour l'emploi des jeunes. Il est aussi accusé de viol, même si cela reste encore à prouver. Intervenant dans un contexte de tension sociale et croissante, les incidents ont été diffusés non-stop sur les réseaux sociaux. La veille, le politicien avait pris part à un rassemblement de l'opposition, des dossiers judiciaires ouverts contre lui et les rumeurs qui circulent sur sa possible candidature à la présidentielle 2024 sont source de crispation à un an de l'élection présidentielle au Sénégal. En effet, la loi prévoit une ratation des listes électorales dans certains cas de condamnation. Le préfet de Dakar a interdit une manifestation des soutiens d'Ousmane Sonko prévue mercredi après-midi. Il devait comparaître jeudi devant un tribunal de Dakar. C'est sous bonne escorte policière que l'opposant sénégalais a quitté son domicile sans ses partisans, bloqué par les forces de sécurité qui quadrillaient son quartier. Toutes les mesures ont été prises par les forces de l'ordre pour éviter un débordement populaire. Mardi, lors d'un rassemblement à Dakar, ses partisans ont dénoncé une nouvelle fois la ruse du pouvoir pour écarter l'opposition de la course à la présidentielle de 2024. Mercredi, les autorités sénégalaises ont bloqué les mouvements de l'opposant et interdit une manifestation censée mobiliser ses supporters. Le procès qui a commencé jeudi à Dakar fait craindre des violences dans le pays. Ces candidats voient ce procès comme étant un lynchage public dans le but de l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Le 14 mars, Sonko avait appelé ses partisans à venir massivement le soutenir pour son procès. Le convoi Sonko est parti ce jeudi matin sous une forte escorte policière, mais sans la foule qu'il avait convoquée. Le quartier de son domicile a été quadrillé par les forces de sécurité dès le début de la matinée. Des engins blindés, des gendarmes mobiles et des barrages filtrants ont été disposés autour de sa résidence. Le dispositif est également renforcé près du tribunal où la police anti-émeute et les gendarmes ont été déployés. D'autres opposants de premier plan à Macky Sall, le président du Sénégal, ont vu leur carrière politique anéantie par les affaires judiciaires. Les autorités ont nié toute utilisation abusive des institutions de l'État. Le président est aussi accusé d'instrumentaliser la justice sénégalaise pour tenter d'exclure de la prochaine élection présidentielle l'homme du peuple et le leader de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko.